Quels que soient les royaumes, quels que soient les continents qui jalonnent le dernier monde, il n'existe aucun lieu qui ne rende pas hommage au Panthéon pour chaque journée qui commence. Car ce sont les dieux qui livrent la guerre éternelle et sauvegardent chaque jour la création. Sous la houlette de la mère des dieux Tanit, Balakor mène au combat les légions célestes au-delà de la ceinture de lumière qui divise le monde en deux hémisphères et repousse ceux qui tentent par tous les moyens de nous anéantir. Depuis le trône de l'étincelante cité d'Astral, Tanit et ses enfants façonnent le destin du monde en vue de la victoire finale. Son fils aîné, Azarin, est le gardien du monde, protecteur de toute vie et le seul dieu à vivre à sa surface. Il veille constamment à conserver l'équilibre entre toutes les espèces qui se côtoient, et s'est à maintes reprises opposé aux actions de ses pères lorsqu'elles le menaçaient, y compris aux décisions de sa mère. Sa première fille, Doela, est la gardienne du savoir. Son esprit incommensurable détient tous les secrets du monde, y compris certaines révélations dont Tanit elle-même a choisi de ne pas se souvenir. Sa fille cadette, Naosi, est née de l'œil gauche de Tanit, arrachée et plongée dans le néant, d'où elle a alors surgi, apportant avec elle la magie, un outil dont les dieux se sont emparés rapidement pour améliorer leurs chances de victoire. Son plus grand apport au Panthéon fut sans conteste la création du rituel d'ascension et la genèse des célestes à partir des âmes mortelles. Le plus étrange des enfants de Tanit est sans conteste Hof, le gardien des âmes. Cet immense oiseau de proie, sombre et immatériel, veille sur les défunts et protège les âmes de l'avidité du néant, depuis les limbes, une dimension parallèle créée pour les mettre hors d'atteinte. Hof ne se mêle d'aucune affaire divine ou mortelle qui ne concerne pas directement ses protégés. Du reste, il ne vit pas en astral et ne quitte sous aucune raison son domaine attitré. En marge de ses enfants, Tanit a également accueilli un étranger au Panthéon. Balakor, le seigneur des batailles. Cette étrange entité a émergé du néant de son propre chef pour se mettre au service d'Astral et commande depuis les légions célestes sans qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé à ce jour. Il reste enfin une dernière divinité extérieure au Panthéon de par sa nature et son rôle. Aor, le père des monstres. S'il œuvre bien pour les autres dieux, Aor est chargé d'intégrer à la création les créatures qui traversent parfois la frontière entre les hémisphères. Il utilise alors son pouvoir pour les mêler à d'autres espèces et enfanter des créatures monstrueuses, certes, mais dont la présence ne nuit pas à la création. Ainsi lui attribuons toutes les créatures hybrides et dangereuses que l'on peut croiser à la surface du dernier monde, y compris les dragons, qu'il considère comme sa plus belle réussite. Inutile de préciser qu'entre Azarin et Aor, il n'existe aucune forme de coopération. Pas plus qu'avec les autres dieux, du reste. À ces sept divinités, on peut ajouter une entité dont le pouvoir grandissant lui a ouvert les portes de ce titre, Médion. Originellement un simple enfant d'Azarin, le jeune Médion est rapidement devenu une entité de premier plan, ce qui lui a valu son propre trône au sein d'Astral, à la grande colère de son père auquel il tournait le dos. Exception faite de ces huit figures, il n'existe pas à proprement parler d'autres dieux. Pour autant, les huit ne sont pas seuls dans leur lutte contre le néant. Les dieux ont pris l'habitude de s'entourer de proches et de conseillers remarquables, auxquels ils confient une partie de leur pouvoir, et que l'on appelle les puissances. Ces puissances pourraient apparaître aux yeux des mortels comme des divinités autonomes, si leur existence n'était pas si étroitement liée à leur autorité supérieure. Car d'un seul battement de cils,
les dieux peuvent départir une puissance de toutes ses facultés, les réduire ou les amplifier à volonté. En général, ces puissances furent de zélés serviteurs, des personnages de premier plan ou des créatures remarquables, avant de recevoir cet ultime honneur. Parmi les puissances, il en existe de deux sortes. Celles qui sont universellement connues et sont appelées majeures, et celles moins notoires, connues dans une région seulement, qui sont appelées mineures. La majorité des dieux est entourée de quelques puissances majeures et d'un plus grand nombre de puissances mineures. Ces entités servent le dieu en accomplissant ses volontés dans un domaine particulier lié à ses attributions. Dans le cas des puissances mineures, cette représentation se limite même à la zone géographique où la puissance est connue. Le cas de Médion est le seul où une simple puissance a transcendé son statut pour être invitée à rejoindre les dieux. Mais ce précédent n'est pas à rester lettre morte. Nombreuses sont les puissances qui savent désormais que cette ultime ascension est possible. Qu'ils soient dieux ou puissances, ces entités sont toutes assistées par des êtres appelés les serviteurs célestes. Créatures formées à partir des âmes mortelles de leurs adorateurs. La hiérarchie des serviteurs célestes est un sujet trop complexe pour être résumé ou abordé avec désinvolture. Sachez simplement qu'il existe des castes dans lesquelles un céleste peut progresser s'il se montre efficace, gagnant en autorité, en responsabilité et en pouvoir. Au bas de l'échelle se trouvent les esprits, êtres immatériels qui arpentent le dernier monde pour veiller sur leur clergé. À l'autre extrémité trônent les exaltés, créatures auréolées de lumière aux capacités redoutables. Le chemin qui conduit de la première à la dernière caste est long et l'œuvre d'une vie éternelle consacrée à servir les dieux. Contrairement aux mortels dont ils sont issus, les célestes ne meurent pas. Ils se reforment lentement s'ils viennent à être détruits, et sont par conséquent un atout précieux pour le Panthéon. Toutefois, ils peuvent être entravés ou capturés, un moyen bien plus efficace pour s'en débarrasser que celui de les détruire. Au fil du temps, il est arrivé en de rares occasions qu'un céleste particulièrement décevant chute d'une caste à une autre en guise de punition. Les dieux et les puissances ne se mêlent pas directement d'organiser la hiérarchie céleste. Les célestes des castes supérieures sont laissés libres de l'administrer de la façon qui leur semble la plus efficace pour remplir leurs devoirs. Au sein des célestes, une caste particulière bénéficie de tous les honneurs, l'ordre angélique. Ces créatures ailées sont l'apanage de Tanit et constituent la garde d'honneur d'Astral. Ils sont menés au combat par la seule puissance que Tanit a créée, son serviteur exclusif, messager et craint de tous, Adal le Saint d'Argent, qui partage leur héritage ailé. Leur renommée est telle que le commun des mortels prête souvent des ailes à de nombreux célestes qui en vérité n'en possèdent pas. L'ensemble des célestes, des puissances et des dieux réside en Astral, une immense cité flottant loin dans les cieux et reflétant la lumière du soleil. De là, ils se répartissent les tâches. Certains organisent la guerre éternelle pendant que d'autres veillent sur les clergés et les mortels. Car ces derniers constituent le nerf de la guerre. La dévotion des mortels est l'unique source du réel pouvoir divin, et la foi est l'arme absolue contre le néant. C'est à la foi que nous devons d'avoir encore un monde à habiter. C'est grâce à la foi que les dieux façonnent nos âmes, si précieuses et convoitées. Si la dévotion des mortels devait un jour faiblir, non seulement notre espace habitable se réduirait comme peau de chagrin, mais notre nombre diminuerait inexorablement, jusqu'à ce que nous disparaissions totalement. Nous sommes liés aux dieux par cette dépendance mutuelle et cette cause commune dont dépend notre survie. Je pourrais m'arrêter là, mais cette chronique serait trop incomplète. Car notre monde est bel et bien composé de deux hémisphères, et l'autre côté est tout sauf inerte.
qu'il soit nommé néant, vide ou chaos. L'ennemi possède ses propres forces et ressources. Et il n'est pas sot de penser que de l'autre côté, des créatures semblables aux nôtres, bien qu'obéissant à d'autres lois, œuvrent dans un sens contraire. Et dans certaines affaires obscures, il est arrivé de constater que plusieurs mortels, en proie à quelques folies, vénéraient de telles atrocités pour précipiter la fin des temps. Obtenaient-elles vraiment des réponses à leurs prières ? Ou leur esprit dérangé était-il simplement livré à des délires intérieurs ? Nul n'a la réponse.